Beniscom. Beniscom, vous êtes situé où? Nous sommes à Douala, en face pharmacie de Koumassi, à Bali. Ok, et vous n'avez pas de revendication à Yaoundé? À Yaoundé, nous sommes sur le point de nous installer, mais pour le moment, pas encore. Donc vous êtes venu uniquement pour la circonstance et après? Tout à fait, nous allons retourner sur Douala. Sera les dames. Excusez-moi, vous c'est? Elem Selemba. Elem? Elem Selemba. Ah, Elem Selemba, vous connaissez? Alexis Elemba? Oh, c'est ma fille. Ok. Toutes les Elemba là, ce sont mes filles. Et vous, vous êtes... Elemba, Valérie Elemba, tout ça, c'est... Voilà leur père. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu entends dire? Vous, vous êtes couturier, vous êtes designer, vous êtes... Je suis styliste modéliste. Ok. Modéliste là, au quartier, quand on dit qu'un gars est modéliste, ça veut dire que c'est un gars qui est très fort. Non, pour l'autre là, ce n'est même pas à démontrer. Ça se lit, ça se vit. Quand okay. Toi-même tu regardes le charisme de l'homme, tu comprends que c'est comment. Ça veut dire que tout à l'heure là, on aura l'occasion non, de... Non, vous allez découvrir. Il y a des très bonnes choses pour tout le monde. Ok. Et vos tenues choses. Varient de combien à combien? Moi, chez moi... De la plus simpliste à la plus... Non, chez moi ça va de 5000 en montant. Ok. C'est-à-dire tout le monde peut avoir... Trouver son compte. Trouver son compte chez moi. Ok. Donc ça va de 5000 en montant. Cool. Voilà. Et chez moi, je suis le genre de styliste qui crée. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui fait des tenues personnalisées. Ça veut dire que si tu veux avoir une tenue que personne d'autre ne peut avoir, je te la fournis. C'est ça ma particularité. Bon à savoir. Oui. Et c'est moi le grand, le père créateur de la mode Afritude. Vous voyez aujourd'hui on dit Afritude, Afritude. Yes. Voilà le père fondateur, le père créateur de l'Afritude. C'est-à-dire que si on vous porte plainte pour usurpation de titres... Non, il n'y a pas d'usurpation de titres. Mensonge aggravé... Je dis bien, je commence la mode Afritude en 1986. Vous imaginez. Ah, j'étais pas encore né. Voilà, tu peux donc comprendre. Mais vous êtes vieux, vous faites jeune comme ça. Non, c'est pour. J'ai commencé, j'étais tout petit. Ah, ok. Je n'avais que 15 ans quand je commençais. Ok. Donc, vous pouvez comprendre que il n'y a pas question d'usurpation. Celui qui veut parler d'usurpation, on va seulement aux archives de la CIA TV. Oui. Parce que c'est là où je commence. Oui. Quand on parle de la mode au Cameroun, je suis l'un des pères. Fondateur de la mode, même presque à partir de la CIA TV. Ah, ok. Oui, quand on ouvre l'émission Tam Tam Weekend, c'était avec nos émissions, c'était avec mes vêtements. Okay. Donc, aux archives à la CIA TV, on pourra retrouver tout ça. Les Aïssi, le Duc, les imams Aïssi, ça, ce sont les générations, les Chantal Aïssi, elles ont tous défilé avec nous. Pas, mais bon. En tout cas, quand on parle de mode au Cameroun, oui. C'est le père ici. Ok. Oui. De toutes les façons. La plupart des stylistes modélistes au Cameroun sont passés dans mon moule. Si vous les citez, vous allez voir que beaucoup sont passés dans mon moule. Quand on parle d'un imam Aïssi, par exemple, c'est mon moule. Okay. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Non. Je sais représenter le Cameroun dans plusieurs pays dans le monde où j'ai remporté plusieurs médailles. Donc, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Monsieur Sidouane, pouvez-vous faire le mannequinat là? Bah oui, la tenue me va bien. J'aime bien la tenue, c'est une version originale. C'est comme si on l'a cousu pour moi. C'est un très beau modèle. J'adore ce modèle. Bon, surtout les couleurs. Et c'est comme si j'ai choisi le bon pantalon. Je savais que j'allais porter ça. Okay. Avec le pantalon noir qui va avec. Ok, merci. Madame Davila, vous pouvez traîner avec votre beauté, c'est-à-dire que vous tournez un peu sur vous-même. Je dis, la tenue là ne reste pas ici, j'emmène ça au Gabon. Non, vous tournez un peu sur vous tournez un peu, pas beaucoup, un peu seulement. Oulala. C'est-à-dire que tous les gens des ports gentils là, tous les gens de Libreville, quand ils vont vous voir revenir, ils vont dire que ça, elle est au Cameroun. Merci. Thank you.